Salut à tous, aujourd'hui nous sommes aux États-Unis, nous sommes sur le circuit du New York Safety Track, un circuit que j'ai modélisé tout récemment. Il s'agit d'un circuit très récent, assez peu connu, du moins en France, puisqu'il n'accueille pas de compétition officielle, mais est destiné essentiellement aux hot laps, surtout en moto, pas mal de voitures. Et comme vous pouvez le voir, on a un avion sur notre gauche et un hangar en face. Et oui, la longue ligne droite sert aussi d'aérodrome. On est à 4 heures de Boston et aujourd'hui je vous propose de découvrir ce circuit à bord de cette Shelby. Les watts sont là, donc on va aller faire un petit tour sur ce circuit. Vous allez voir qu'il est franchement très sinueux et vraiment excellent à conduire. Allez, c'est parti, je suis en boîte manuelle, comme vous pouvez le voir, avec embrayage. Et on va de suite prendre la piste. Alors attention, les pneus sont pas encore bien chauds. Premier virage un petit peu à l'aveugle, en dévers. Le circuit porte assez mal son nom puisque le New York Safety Track fait penser à un circuit de sécurité Safety, mais en fait, comme vous pouvez le voir, la sécurité est quand même assez minimaliste. On est entouré d'arbres. Les sorties de piste sont assez dangereuses ici. Et ce virage comme il est, c'est incroyable. Alors que le circuit est très sinueux, virage encore à l'aveugle. Et la Shelby qui a envie de faire des têtes à queue. Son habitude, l'arrière qui veut passer devant. Olé ! Voilà, chaque accélération, c'est... cette grande ligne droite. Ouais, on va décoller nous aussi. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, attachez vos ceintures. Ouais, il faut faire super gaffe franchement à ce premier virage parce que franchement, il est impressionnant quoi. Bien un petit chrono, mais la Shelby ne se laisse pas faire, ne se laisse pas dompter. La vache. D'utiliser 100% du moteur de la Shelby sur ce circuit. Tellement il est sinueux, tellement il est technique.
Allez, bim, premier chrono, 1:42. Appelle les muscles car, les voitures américaines, un gros V8, pas de direction assistée. Voitures comme on les aime, pas très efficaces, mais terriblement. Addictive ces voitures avec leur gros moteur. Je vous proposerai un track day avec l'IA qui tournera avec moi. Je l'ai paramétré pour qu'on puisse rouler à 8. Ce sera sympa de se tirer un petit peu la bourre sur ce circuit. Parce que je pense que les dépassements doivent être vraiment, vraiment chauds. On peut essayer de programmer une course aussi. Hop là, sortie de piste. Voilà. Faut faire super gaffe sur ce circuit. Allez, je ramène la voiture au stand. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles surprises. Sur ce, ciao ciao.